Bonjour, interlocutrice et interlocuteur, ici Galden pour les jeux du signe. On retrouve notre partie sur Stranded Alien Down, où on essaye de faire en sorte que Hope, le premier androïde sentient, atteigne 10 en intellect. Elle est actuellement à 5. On s'était quitté sur une début d'attaque par le consortium, avec tout de même 10 saloperies, 8 avec arbalète et 2 avec des pseudo-sabres laser. Et on avait déjà pris cher au combat précédent. Donc là, on va espérer que bah, la mitrailleuse puisse faire des miracles, même si je doute que ce soit le plus adapté, parce que j'imagine que c'est quand même un peu armoré ces trucs. Je sais pas si on voit bien. Non, on ne peut pas voir leur stat exactement. On va voir si elle arrive à m'aider beaucoup. Il y a une blessure que j'ai pas encore réussi à guérir. Il y a Emine qui a encore une infection. Je soigne avec un antibiotique. Donc bon, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc tout le monde est en train de repartir à son poste. Un peu peur des deux saloperies avec des... Enfin, je pense ceux avec leur sabre laser, à mon avis, on se retrouvait bloqués. Je suis moyennement inquiet. Par contre, sur ceux avec arbalète, on sait que ça peut faire quand même très 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 mal. Et ça va partir très vite. Et pif, et Mine qui vient de se faire toucher. Ouais, ça va, la mitrailleuse est efficace quand même. Bon, les trucs se font bloquer, ouais, si ça va quand même. Et Mine n'arrive pas à leur tirer dessus. Bon, c'est pas grave. C'est la tour qui se fait déglinguer, mais jusque là tout va bien. Ça fait détruire, mais pour l'instant, bon, ça va. Heureusement, ça va. Hop. Donc, on va pouvoir démobiliser tout le monde. Il reste juste une brûlure sur Katina. Et tout ça à fouiller. Bon, ça sera plus facile à gérer que le précédent. Par contre, il me faut plein d'alliages. Donc il va falloir faire tourner à fond. Aïe, sauf que j'ai pas assez de ferraille. Aïe. Il va falloir que je fasse le week-end impérativement repartouiller. Je l'ai fait quand il aura fini ses deux cailloux. Va soigner Katina. Les deux cailloux là qui bloquent un peu là. Erreur médicale. Hop. Détonation. Ouais. Là dans l'immédiat, de toute façon, j'ai pas fini de construire ça, mais il me faut des alliages. Donc, du coup, je vais modifier les activités pour Ken. Recycler, tu vas me passer en priorité 2. Avant extraire. Tu vas pas attendre mes soins et il me faut des antibiotiques. Est-ce que j'ai des antibiotiques? Non, j'ai plus non plus de medikit, c'est un peu pourri ça. C'est même carrément pourri. Production d'antibiotiques, ok.
Toi, tu vas pas te détendre. Tu vas aller finir de me rechercher ça. Alors, attends. Ah, si tu mets ça, ça va m'apporter aussi de la ferraille, normalement. Ouais, ça m'apporte de la ferraille. Très bien. Alors, du coup, toc. J'ai fini de trouver production d'antibiotiques. Alors, ça me consomme du maïs. J'ai des céréales. Donc, je vais me faire une cuve de fermentation en bois. Hop, ici. Qu'est-ce qui construit? C'est Katina, je crois. Construction, c'est ça, c'est Katina. Donc, toi, tu vas me construire ça en priorité. Hop. Tu vas me manipuler ça. Hop. Il me faut tout de suite des antibios. Il faut que j'en ai au minimum 10 en permanence. Hop. Ok, c'est très bien ça. Nouvelle ressource, les composants électroniques. Ça va me débloquer un certain nombre de recherches. Oh, très bien, ça me donne un tube de carbone aussi. Oh, des trucs comme ça là, des. Je sais plus comment ça s'appelle. Hop, dégradation. Ah, plus de céréales, c'est très bien. Je vais peut-être du coup agrandir un peu mon champ de céréales. Histoire. De faire davantage d'antibio. En stock, autant faire que 10 quand même. Même si ceci dit, c'est vrai que c'est quand même très important. Ouais, du coup, les lumineux, je vais peut-être aussi m'en faire un peu plus pour parce que je m'en sers pour faire les baumes curatifs. Épée laser, youpi! Full 18, très bien, ça aussi. Qu'est-ce qu'elle recherche? Bah, les médicaments, justement. Nickel. Voilà mes premiers antibiotiques. Donc, hop. Oui, cellule énergétique, c'est bien ça. Ok. Et du coup, Katina est soignée. Et tout le monde est en parfaite forme. Nickel. Donc on a réussi à récupérer de notre précédent attaque. De nos précédentes attaques du coup. Ensuite, il faudrait quand même qu'il se dépêche de.
me construire ou reconstruire tout ça. Nouvelle ressource, cure végétale. Ok. Ceci dit, j'ai combien? J'ai du tissu. Je vais la mettre à me fabriquer aussi des vêtements parce que. Et là, un fabriqué. C'est celui-là qu'il faut couper. Oui, couper. Et trois en fabrication pour groupe, c'est très bien. Localiser vaisseau de recherche. Ah! Débloque l'expédition. Très bien. Du coup, ça, c'est toujours pas fait. Et nouvelle série d'antibiotiques. Je vais pouvoir me faire des médicaments. Effectué sur les médites, donc ça c'est fondamental. Médites en permanence, et je vais mettre ça en priorité. Alors, du coup, je vais mettre 10 bandages de moins en stock. Sauf que du coup, Hobe va pas me faire de vêtements. Tiens, je pourrais rééquiper mes gens. La pique laser. Toi, tu pourras. Ken, tu vas me mettre une épée laser. Toi, tu vas me mettre une pique laser quand tu auras fini de manger. Partout, ouais, nickel. Tu vas m'équiper ça aussi d'entier. Ok, donc en termes de d'armes, ils ont mieux. Et ma tourelle va être réparée. Il faudrait que je fasse de la lumière. Projecteur incliné. Ce qui permettrait d'éclairer, parce que là du coup je vais me retrouver avec le même problème. Celle-là, il faut que je la déplace un tout petit peu pour laisser un petit peu de champ de vision, voire que je les recule un peu. En fait, je pourrais aussi me dire que je les mets par là. Ça plutôt. Toi, je vais te mettre là. Hop. Et celle-ci, je vais la mettre par là. Ok, alors lumière, projecteur, incliné. Du coup, sauf ça, on aura encore des alliages. Je vais mettre par là. Hop. Il va me falloir un poteau électrique de plus.
Et là, du coup, ça ne fait pas. Il faut que je le mette par là. J'espère que ça ne posera pas de problème qu'il soit en l'extérieur de la base. Et que c'est pas le premier truc qui va se faire cibler. Et puis, donc, je vais faire un autre poteau électrique. Par ici. Et puis encore un. Du coup, par là. Ah, peut-être que je déplace plus tard. Je sais pas à quel point ça va bloquer la vision. Hop. Et une coupe. Le problème, c'est que ça consomme un maximum d'électricité. Ouh, qu'est-ce que c'est un processeur IA? C'est chouette ça. Un processeur IA, ça permet. Ça contrôle les machines automatisées. Je pense que en termes de science, non, c'est pas ça que je veux. Peut-être gestion recherche. J'ai dû débloquer un maximum de choses. Électricité. Je pourrais me faire. Je pourrais faire un labo. Je vais faire des moyens de production d'électricité. Hop. Qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre du coup? Des bottes domestiques. Ah, ça c'est nouveau. C'est un truc du DLC ça. Nous sommes procurés un système d'intelligence artificielle. Nous pouvons nous en servir pour fabriquer notre propre robot domestique. Pour garantir les normes de sécurité les plus élevées, nous allons assembler le processeur IA dans un poste dédié qui tiendra lieu d'organe de contrôle de notre robot. Bon, ça nécessite quand même la blinde de matériaux et puis la recherche qui va avec. Silica gel là. Ah. C'est Hope qui sera contente si je recherche ça. Faire aussi peut-être de l'huile ou pas. Commerce. Ah oui. Ça serait cool aussi. L'absence d'anciennes cibles dans ce secteur empêche quasiment tout commerce intergalactique. Néanmoins, le trafic de petits vaisseaux cargo facilite les échanges de marchandises et d'objets entre les colonies mineures dispersées dans les mondes extérieurs. Si nous nous dotons d'une nacelle marchande compacte, nous aurons les moyens d'échanger du fret avec les réseaux de passage. Ça serait chouette aussi. Lunettes de vision nocturne, ce serait sympa aussi, vu les bestiaux que j'ai face à moi. Système de réalité virtuelle, c'est pour le fait d'être. C'est bien pour le moral. Armure végétale, je m'en cogne un peu. Éolienne en carbone, j'imagine que c'est. D'accord, génère également par vent faible. Ok. Alors, le problème, c'est que là, du coup, Hope, en fait, elle me fait principalement de la fabrication, mais c'est bien aussi. J'ai toujours personne qui me fait des vêtements. En termes de coûts, ils sont à combien? C'est Ken en fait qui devrait en faire. Ken pour l'instant il fait de la fouille. J'ai besoin qu'il me fasse de la fouille. Hein. On a vu que ça, quand même, ça débloquait quand même beaucoup de choses très 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 intéressantes. Les vêtements attendront. Ouais, encore des.
Encore des alliages, hein, c'est. De l'alliage, c'est plein de. C'est plein de ferraille d'un coup, en fait. Des medikits. Ok. Des fois le x4 ce serait bien en fait pour vitesse. Là c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire. Je suis en. On est en. Sur une zone un peu safe. Ah. Je vais enfin pouvoir faire menace à la navigation. Ah merde, perdre des ingrédients, ça c'est chiant. Pieds nus. Ouais, c'est un peu la déchant. Qu'est-ce qui me. Qu'est-ce qu'il y aura. Faire de la roche. De la. De la montgolfière. Le plus adapté, ce serait Ken, mais si je me fais attaquer, c'est pas top. Panneau solaire. On va quand même essayer de seconder un peu le. L'alimentation du générateur électrique, parce que comme des cellules électriques, j'en ai pas 50 000. Des crédits. Hop, une éolienne. Nouvelle ressource tabacante séchée. Hop, ça me fait un truc de plus à produire. Ah putain, ça me demande aussi la blinde de. La blinde d'alliage. Alors, tabacante séchée, ça va me permettre de faire des pipes de tabacante. Ouais, j'en ai 3 en permanence. Hop, c'est clairement pas une priorité. Ok, très bien. Alors, je pense que c'est Katina que je vais. Bah tiens, quand j'aurai fini ça. Je vais construire la tourelle. Eh mais du coup, j'ai plus assez d'énergie. Ouais, c'est ce que je craignais, c'est que le projecteur ici me gêne légèrement la vue. Vraiment sur une bande. Ça n'a pas de bol que mes adversaires s'arrêtent juste là. Donc là, il faut qu'il termine. Hop, des petits batagapakantes pour le moral, c'est bien. Ok. À me construire ça, cocotte. Ressources manquantes. J'en ai 24 sur 25, t'es sérieux? Bon, j'attendrai demain matin pour l'envoyer en expédition.
tous shooter, hein. Fumer des pipes, boire du thé. On se croirait dans M-World. Ok, recherche. Bon, j'ai produit tout ce que j'avais besoin de produire. Je vais la passer à 2 en fabrication. Labo avancé. Donc le labo avancé, ça va remplacer mon labo de base. Ah mais j'ai besoin de composants pour ça. Et pour des composants, j'ai besoin de créer le poste de soudure. Alors, production. Ah tiens, j'ai pressoir à huile aussi que j'ai pas construit encore. Ah si, il est là, le pressoir à huile. Je m'en sers? Bah non. Si, je m'en sers. En stock 20. Alors, du coup, je dois pouvoir faire, sans doute. Ceci, j'en ai pas vraiment besoin. Qu'est-ce que je lui demande de me faire? Soupe, thé. Ceci dit, j'ai pas vraiment besoin d'huile. Je pourrais faire des recettes de chef ou des recettes goûteuses hein, qui donnent un bonus de morale. Mais c'est le gros avantage des mines. C'est que comme elle a le trait. Où est-ce qu'il est le trait? Il est là. Chef des exceptions donne un goût exquis aux plats les plus simples. Donc ça permet, en fait, quand on fait un plat simple, les recettes rapides, de donner un boost de morale quand même, comme si c'était des recettes goûteuses. Donc l'avantage, c'est que ça nécessite de faire un peu moins de bouffe différente. Le gros intérêt des mines sur le long terme. Hop. Chercher avec tuer silica gel. Alors, le silica gel, est-ce que ça se fait ici? Oui. Tu vas faire en sorte d'en avoir 5 en permanence. J'ai aucune recherche en attente. C'est pas très grave. Voilà, Katina me fait de la confection. Et il n'a rien à faire. Bon, allez, il est temps de partir en expédition. Alors, qu'est-ce que j'ai de débloqué? J'ai le vaisseau de recherche. J'ai la détonation, il faut que je parte tout de suite. 0 jour. Donc, on est parti avec Katina qui va partir en expédition. Je veux pas partir en expédition, toi t'es comme ça. Merci. Ah, attends. Je voulais avant lui faire équiper le nécessaire de survie. Voilà. Qui est très bien quand on part en expédition, ça évite les problèmes de bouffe. Allez, continue de me fouiller, toi. Bon problème de pathfinding, là. Pourquoi tu vomis? Qu'est-ce qui va pas, mon petit Ken? Mode estomac. Ceci dit, j'ai toujours pas d'alimentation. C'est le problème, c'est que tout ça, ça consomme pas mal. Ça consomme 4. En fait, c'est surtout ça qui consomme une blinde, ça consomme 50. 50, 40. Là, ça produit 100. Ouais. Ah, j'ai plus de composants électroniques. Donc, il faut vraiment que je me fasse un peu de soudure. Que je n'ai pas.
Alors, oui, parce que j'ai pas recherché les composants électroniques, justement. Potentiellement, je suis un peu dans la merde. Je vais désactiver ça. Alors, mise à jour de l'expédition nuit explosée. En atterrissant, j'ai distingué les contours d'un abri de fortune. Imaginez mon excitation. Excitation de sitôt douché en voyant les restes poisseux d'un nid de grande taille. Un corps calciné au dernier degré, des morceaux de chair éparpillés aux quatre vents. Miam, miam. Une odeur infecte règne. Je peux fouiller, pose de légers risques, sachant que c'est pas une super combattante. J'ai commencé par inspecter l'abri, mais il était surtout jonché d'ordures. Toute la nourriture était avariée. Le seul objet de valeur était un grand réservoir de carburant liquide. Bon, écoute. J'ai ensuite voulu inspecter les abords du nid explosé. L'odeur suffocante a déclenché en moi des haut-le-cœur et m'a brouillé la vue. J'ai regagné la montgolfière à toutes jambes, avec la pire envie de vomir de ma vie. Bon, c'est très bien que je récupère plein de carburant, sachant qu'il en faut 30 par expédition. Hein, donc. De toute façon. Ah, du coup, elle est malade. Donc il faut désactiver la tourelle laser parce que j'ai pas assez d'énergie sinon. À quoi? À m'expliquer. À m'expliquer. Oula, d'accord. Ça, c'est du. Je vais m'expliquer. Je sais pas ce que c'est ça. Loisir, tiens, j'ai une grande statue en plus que je peux faire. Statue de Shogun. Hop. Et revoilà Katina qui commence par poser une galette. Combien? 40 de carburant liquide. Ouais, ça fait juste un gain de 10. C'est pas ouf. Et ensuite, tu vas repartir tout de suite. Hop, quand tu auras fini. Pour le vaisseau de recherche, on voit un peu ce qui est derrière. Elle a rien à faire. Elle... Moi, je te dis que t'as à faire. Hop, vaisseau de recherche, Katina envoyée. C'est reparti. Oh, 71, c'est très bien. Je vais arriver à ce qu'il me faut en alliage. Ken continue de fouiller. 5 sur 6. Là, il y a de la confection de veste, c'est très bien aussi. Tiens, Emeline, pourquoi est-ce que tu as pas remis une casquette? Échec partiel, c'est naze. Site de combat aérien. Combat aérien a été observé à l'horizon entre une navette du consortium et un autre vaisseau inconnu. Peut-être trouvez-moi quelque chose d'utile sur place. Ok. Toi, t'es mort, je vais te faire des poussées.
Alors, nouveau vaisseau de recherche. Comme je m'y attendais, j'ai découvert le cockpit et l'entrée d'un petit bâtiment d'exploration, ainsi que la dépouille du pilote, à peu près la même, dans le même état. J'ai récupéré ce que j'ai pu avant de lui offrir de dignes funérailles. Il n'y a rien à récupérer ici, le métal est rongé par la rouille. En revanche, la boîte noire est restée intacte et j'ai réussi à en extraire de précieuses données scientifiques. Je me suis réjoui que le pilote ait enfin trouvé la paix. Deux nouvelles percées scientifiques. Alors, donc les percées scientifiques. C'est ce qu'on a ici. Hein. Donc j'ai des synthétiques de chitine. Oh, c'est bien ça. De la matière de. Enfin, de la viande d'insectes contre des matières synthétiques. C'est cool. Et il y en a en carbone. Et c'est quoi? Amélioration d'automates. Meilleurs automates chirurgicaux possibles. Ok. Ouais. Ça permet d'avoir des automates qui font du soin. Textile synthétique. Tiens, quand on en parle. Avec du textile synthétique, je vais pouvoir faire des armures synthétiques. Oh oh, ça c'est ce qu'on appelle un vaisseau qui est en train d'arriver. Six robots. Eh oui, du coup, comme Katina n'est pas ici, je pense que ça doit. Ils sont moins forts. Katina devrait peut-être être en rentrée. À ridiculiser Hope pour sa sociabilité, mais c'est pas gentil ça. C'est quoi les relations entre mes gens? Tiens, toi tu peux équiper une veste. Toi j'ai pas de chaussures. Toi tu pourrais mettre une casquette et ça attaque. Alors ceci dit. Ouais. Ouais, je devrais presque les mettre encore un cran en retrait. Les tourelles, parce que là, ça bloque la visibilité ici. Bon, bah, j'ai pas de Katina. Tac, et mine. Blessure et mine. Oh la vache, salope. Il a shooté comme ça. Blessure par explosion. Qu'est-ce qui a explosé? J'ai dit ça a été géré. Démobiliser et démobiliser. Tranquille, appareil endommagé. Qu'est-ce qui a explosé? Je sais pas. J'ai pas compris. Non, pas compris. Et Katina revient. Je vais terminer mes composants électroniques. 6 d'intellect, GG. Je sais pas ce qui a explosé, mais c'est peut-être eux qui ont utilisé une arme explosive. Ça doit être ça, je pense. Alors, composants électroniques. Production de poste de soudure.
Ça commence à être un peu petit, mes pièces là. Je commence à manquer de place. Alors, c'est parti pour le poste de soudure. Fabrication de 2 pour une échelle partielle. GG. Appareil déconnecté. Merde, il y a plein d'électricité. Je consomme 10. Alors, tu veux me déplacer. Déplacer ici. Et j'ai besoin tout de suite que tu me fasses des composants électroniques. J'ai besoin de 5. Hop. Et en activité, donc ça c'est monté. J'ai besoin vraiment que tu me fasses. Bon, là, en termes de fouille, ça va déjà mieux. Je vais passer Ken d'abord en montage. Et ensuite en confection. Enfin, quoi, confection, je vois qu'il y a Katina qui en fait aussi. Emeline n'a rien à faire. Alors, du coup, bah, Katina, tu vas repartir en expédition. Puisque j'ai un combat aérien ici. Tac. Ah bah du coup c'est Hope qui continue ça. Très bien. Ah zut, j'aurais dû lui mettre une casquette. Hein. J'ai plus. Est-ce que je me suis mis? Oui. J'ai besoin d'en avoir 30. Même un petit peu plus. Ok, donc là je vais pouvoir faire mon éolienne. Alors c'est une éolienne, donc ça dépend. Voilà, ça peut faire jusqu'à 40. Alors, combat aérien, j'ai découvert les vestiges épars d'un petit vaisseau technique du consortium. J'ai eu beau inspecter la zone. Tous les éléments de valeur avaient déjà été ratissés, vraisemblablement par des pirates de l'espace. Mais on n'est jamais sûr de rien. Malgré tout, j'ai fini par localiser un noyau de base de données intact. Apparemment, ce vaisseau transportait des mises à jour logicielles destinées à des modèles d'Android haut de gamme. Moyennant quelques modifications, nous devrions pouvoir adapter ce code pour Hope. Formidable. Une mise à jour de logiciel pour la MMR. Hope. D'accord. Faire la faculté de débloquer un talent ou un trait chez Hope. J'imagine que c'est une recherche. Oui, c'est une nouvelle recherche. Mise à jour de logiciel. 8 jours. Ok. C'est vraiment le truc quand tu sais pas quoi faire d'autre, quoi. Femme 3% en sentience. Alors, qu'est-ce que je vais lancer ensuite? Les armures synthétiques, ce sont les meilleures armures de toute façon. Non, il me faudrait une batterie. Et pour ça, il faut la dose en composants. Le groupe électrogène. Et avec ça, on est à peu près paré. Pour l'utilisation de l'électricité. Ouh, elle n'a pas beaucoup d'embonneur. Mamie Katina. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu.
Manger debout, pieds nus, anxiété. Crise de nerfs, bah oui. Elle casse tout. Du calme. On se calme, jeune fille. Voilà, catharsis. Elle est arrivée jusqu'au bout. Elle a juste pété un petit câble. On va pouvoir tout réparer. C'est Katina qui récolte. Je me souviens plus. 600 fabrications pour quête, très bien. Ah, d'autres. Hop, réserve d'énergie. Donc ça, je vais pouvoir, quand j'aurai, pour faire une batterie. On va placer ça aussi. Groupe électrogène. Ah, et je récupère mes cristaux énergétiques. C'est quoi, c'est le tabacante? Non, c'est le Végétex. Alors, c'est un peu chiant. Hop. Tac. Couper tout ça. Si 20 jours c'est quand même vraiment long. Mais... Esprit fusionné. La faculté de Hope à mesurer et influencer l'esprit humain est proprement remarquable. Nous avons récemment découvert qu'elle était capable d'extraire des traits de personnalité du cerveau humain. J'envisage de me livrer à une expérience, lui céder l'un de mes traits pour l'aider dans son développement. Par contre, j'ignore lequel de ces traits serait le plus profitable. Ouais, bah non, parce que Emeline elle est très bien en bouffe et puis je n'ai pas de soucis de... Ouais, non. Ah, tu peux retourner fouiller. C'est moi où j'ai pas de plat en attente de matériaux. J'ai plus de... Ah si. Emeline, j'aurais besoin que tu me fasses de la bouffe. Hein. Je suis désolé de te réveiller, mais... Pieds. Ouais. Une soupe de viande aussi. Tu dormiras après. Hein. Tac. Sous-habillement. Bah ouais, mais... J'arrive pas à faire... J'arrive pas à faire de... Des vêtements. Je l'avais mis à 1 en montage. Je vais me mettre à 1 en fabrication. En confection de vêtements. Il faudrait des t-shirts. Des vestes et tout ça. La préférée plus 6 de morale. Très bien.
Oui, elle est vraiment cul nue, la mère Emeline. Et ils sont inactifs. Ah ouais, carrément. Bon. Eh ben, je vais mettre en pause, je vais arrêter cet épisode. Et on va voir ce qu'on fait ensuite pour les occuper. J'ai quelques idées. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!